What's up, chers amis, j'espère que vous avez été ce magnifiquement bien aujourd'hui pour la vidéo de compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis. On est sur le serveur PVP Faction, K-Faction, le meilleur serveur PVP Faction du moment, les amis. Vous le savez déjà tous de toute façon. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une petite vidéo mise à jour. Comme vous savez, à chaque semaine, on essaie de travailler beaucoup sur le Faction et, vous, et les minages et sur plusieurs serveurs ce week-end ou du moins cette semaine. Nous avons bossé sur le serveur minage, nous avons essayé de tout mettre au point. Pour l'instant, il y a quand même pas mal de gens. Je vois ici sur mon deuxième écran, j'ai les machines et tout. Je vois qu'il y a 200 personnes environ sur le minage, plus ou moins 180. Bon, voilà, vous avez compris, on arrondit. Mais en gros, il y a beaucoup de gens dans le serveur minage. Et puis, je voulais vous expliquer ben, comment ça fonctionnait, comment vous allez pouvoir y jouer. Et puis, comment surtout dupliquer vos minerais et vos savoir tout ce que vous devez savoir. Donc, premièrement, il faut savoir qu'après que la map soit générée, il y aura des panneaux ici qui vont être random TP. Donc, ici, il y aura un panneau et vous allez pouvoir cliquer pour être téléporté aléatoire dans la map. Pour l'instant, il l'a pas parce qu'il l'avait avant, mais comme si vous avez été là sur le serveur, le serveur laguait beaucoup parce qu'il y a des gens qui généraient les chunks là-bas, puis dans d'autres ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de retirer le random TP temporairement pour éviter les lags. Oups, mes FPS, qu'est-ce qui s'est passé? Et en gros, quand vous arrivez, vous spawnez où est-ce que j'étais? Attendez, je vais retourner là-bas. Vous spawnez où ce que vous étiez, ici. Vous pouvez venir du monde faction, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ou vous pouvez juste simplement apporter... Moi, je vous conseille juste vraiment d'apporter un stuff fire avec une pioche. Comme ça, s'il y a un bug ou quoi, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème, vous n'êtes pas à être remboursé ou quoi. Il n'y a pas de problème. De toute façon, on ne va pas rembourser pour les problèmes comme ça, donc faites attention. Ensuite, vous sautez comme ça, il n'y a pas de dégâts de shit. Donc, vous sautez, vous décidez de vous éloigner un peu. Donc, attends, on va juste se mettre en game mode, on va genre voler un peu plus loin pour que je puisse vous, vous montrer un peu comment ça fonctionne. Parce que ici, j'ai l'impression que ça a déjà été miné au travers de cet océan. Je sais pas pourquoi il y a un gros océan ici. Ok, parfait, on a traversé l'océan, donc on est ici. On va descendre en ligne droite. Donc, normalement, je vais avoir As-2, comme vous pouvez voir, quand vous êtes en full fire, vous avez As-2. Et vous allez pouvoir trouver énormément de minerais. Donc, laissez-moi la chance de trouver quelques minerais. Donc, c'est comme ça que vous allez dupliquer vos minerais, comme ça que vous allez trouver des buissons d'équipida, des buissons éphilines, des buissons volcanites, ainsi de suite. Bon, les volcanites, ils sont extrêmement rares, mais il y en a quand même des chances que vous en trouvez. Je crois que c'est un tous les size chunks, un truc comme ça. C'est vraiment, vraiment très peu, mais il y en a. Donc, attendez, on est à quelle couche ici? On est à 37. Oh là, je vais rien trouver ici. On va descendre à la couche, genre 10, comme ça. Ici, on devrait commencer à trouver des trucs. Donc là, on va trouver... S'il te plaît, trouvons des buissons pour que je puisse montrer aux abonnés fidèles tout ce que vous pouvez trouver. Au pire, sinon, je peux World Edit. Mais bon, c'est pas trop le fun World Edit, les amis, hein, quand même. Ah, on peut voir, il y a quelqu'un qui a déjà miné ici. On peut voir ça. Oh, voilà. Trouver des buissons en énergie ici. Si on continue peut-être par là, il va y avoir d'autres buissons. Vous pouvez trouver énormément de trucs. Et comme vous voyez, les cobblestones ne se récupèrent pas. Donc, il n'y a pas d'inventaire. C'est juste les trucs que vous allez pouvoir avoir. C'est juste les trucs, les minerais, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, vous allez sur le faction. Vous faites slash shop. Vous vendez vos minerais sur le faction. Et puis, le tour sera joué. Si vous avez plus envie de miner. Donc, attends, je vais essayer de vous trouver un buisson en épidote pour vous montrer et tout. Peut-être donner la chance de trouver un volcanite. Je sais pas. Mais je vais juste vous montrer qu'il y en a énormément sur mon minage. C'est vraiment la place pour dupliquer ces minerais, vraiment, genre, attendez, on va regarder les inventaires peut-être de quelqu'un joueur qui est riche. On va regarder, on va voir, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire moi et tout, on va regarder. Donc, Asigum par exemple, ok, t'es pas très riche toi. Ika, ok, t'es pas très riche non plus. Tabarnak les gars, vous faites exprès ou quoi? Clemfield. Au Clemfield, on peut voir, il y a 3 buissons d'épidote, il y a un bloc d'épidote, il y a pas mal de trucs, comme on peut voir. Il y a plein de gens qui se mettent hyper, hyper bien avec ça. The Eagle Freedom. On peut voir lui, The Eagle, 21 buissons XP à épidote. Il se met plutôt bien. Il y a beaucoup de pioches, il y a beaucoup de blocs de fer, etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Vous avez aussi, si vous êtes élite, vous avez le grade, le slash fixer. Donc vous pouvez réparer vos pioches et tout dans le serveur minage. Par exemple, je sais pas s'il y a le slash fournaise. Oui, il y a le slash fournaise. Donc vous pouvez mettre tous vos minerais, tout ce qu'il y a dedans ici. Vous pouvez trouver vraiment plein de trucs intéressants. Donc moi, je vous conseille franchement de venir miner ici si vous avez envie de devenir riche. Parce que, comme je l'ai dit, vous pouvez doubler vos minerais, voire même les tripler. Donc attendez un instant. Je vais juste essayer de voir ici. Hop là.
On est coincé. Nice. On est coincé dans la lave. Nice! Sapristi. Donc voilà. Enfin bon, j'arrive pas à trouver des puissants des pitottes. Je suis pas chanceux, mais. Oh, il y a quelqu'un qui a déjà miné ici. Je suis pas chanceux, mais sinon, les amis, croyez-moi, il y a énormément de buissons. Vous pouvez demander aux joueurs qui sont sur le serveur. Il y a énormément, énormément, énormément de buissons. C'est un truc de malade, tout ce que vous pouvez dupliquer. Quand vous avez fini de miner, donc, j'ai fini de miner, j'en ai marre, j'ai envie d'aller sur le faction. J'ai fait slash attente. Faction, parce que j'ai envie d'aller sur le faction. Donc là, je vais attendre et ça va mettre sur le faction dès que je vais être disponible. Donc pour l'instant, voilà, moi je suis admin, donc ça me TP directement au truc. Mais si par exemple, vous êtes, je sais pas, je vous donne un exemple tout con, vous êtes en, vous avez pas envie de faire la, vous avez pas envie de d'attendre dans le hub et rien faire, vous pouvez juste éliminer, rentrer dans la file d'attente et quand votre place va être prête, ben boum, vous allez être mis sur le serveur ou vous faites simplement juste éliminer, vous avez le choix de ce que vous voulez, vous pouvez aller choisir de juste d'éliminer, c'est comme vous le voyez. Vous pouvez aussi faire slash, oups, attente, minage, ça va vous mettre sur le minage, ça vous amène au lobby bien entendu pour faire une transition et ensuite ça vous amène sur le minage. Donc voilà, rendu au minage, vous avez votre inventaire et tout ce que vous aviez juste avant. Sauf que le truc qu'il faut savoir, c'est que vous retournez au spawn à chaque fois pour éviter tout problème ou quoi, c'est que vous êtes ramené au spawn. Donc ça, il faudra que vous fassiez attention. Vous n'avez pas de 7 ombres ou de trucs comme ça, si je me trompe pas. Ah oui, je pense que vous pouvez 7 ombres. Attendez, je sais plus exactement, j'ai oublié. Je sais vraiment pas, je saurais pas vous le dire les amis. Mais, en tous les cas, vous avez compris à quoi servait le serveur minage. Maintenant, je vais vous parler aussi du serveur PvP faction. Donc, il y a quelques petits trucs qui avaient des bugs dessus. Donc, premièrement, on va aller sur le faction. Donc, on va faire attente, faction. Pourquoi pas, on va faire, on est, voilà. Il y a 33 personnes dans la file d'attente. On peut voir que la file d'attente est beaucoup moins grosse. Donc, on refait le slash login encore. Et voilà, on va aller au spawn. Donc, oui, j'ai en ce moment sur moi la texture de la nouvelle armure en volcanite renforcée. Donc, je l'ai mis sur un stuff fer pour pouvoir vous montrer. Grâce à un abonné qui s'appelle Fly Design, un truc comme ça. Je vais mettre sa chaîne dans la description si vous avez envie d'aller voir. Il fait des vidéos et tout, mais en gros c'est lui qui a fait la texture de la volcanite renforcée et en plus c'est lui qui m'a fait ce petit mini pack de texture là pour que je puisse vous la montrer. Donc en gros ça va faire une texture un peu comme ça, quand vous allez l'avoir sur vous ça va faire une texture un peu stylée comme ça avec de la lave un peu qui coule de partout. Bref, c'est une armure assez stylée. Cette armure là va être craftable avec des blocs de volcanite ainsi qu'un cœur de volcanite en plein milieu de chaque pièce. Ça va être une pièce assez rare, mais vous allez prendre beaucoup 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 moins cher avec cette armure. Vous allez prendre autant cher qu'avant en fait. Genre, si est-ce que vous vous souvenez avant comment les armures c'était long avant qu'il broke et que ça vous perdez quasiment pas de cœur. Mais ça va être avec cette armure là, vous allez être comme ça avec cette armure là. Donc ça va être plutôt intéressant. Et aussi, faut savoir que cette armure là va vous donner des effets un peu plus spéciaux aussi. Vous allez peut-être avoir régénération ou d'autres trucs un peu plus stylés que celle qu'en volcanite qu'il y a déjà maintenant. Aussi, on a fait quelques petits changements. Donc au niveau des levels d'inventaire, il y avait des problèmes. Donc je crois que quand vous étiez niveau 5, ça doublait les trucs, des trucs que ça devait pas faire. Bref, maintenant tout a été corrigé pour que ça respecte bien la grille. Qu'on avait fait. Et maintenant, quand vous êtes niveau 16, je sais qu'il y en a qui sont niveau 16, donc QCX, etc. Quand vous arrivez au niveau 16, ça, vous aviez pas le x5. Maintenant, c'est corrigé, vous avez le x5. Donc, ça, c'est plutôt intéressant si vous êtes un joueur qui attendait que ça pour farmer, quoi. C'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait comme modification cette semaine? Beaucoup de modifications au niveau des lags. Donc, le serveur lag beaucoup moins. Tous les items maintenant, les fours sont désactivés. Donc, tous les items maintenant, ils vont dans le slash fournaise. Peu importe ce que vous avez, les amis, vous mettez tout ça dans le slash fournaise et ça va se cuire automatiquement. Les fours ils sont désactivés parce qu'on s'est rendu compte que les fours faisaient extrêmement laguer parce que beaucoup d'entre vous faisaient des farms à cannabis et mettaient le cannabis dedans. Et vu que ça prenait beaucoup de temps avec les fours, tu sais, le cannabis c'était plus long qu'un minerai normal, ça faisait laguer énormément. Donc on a dit, bon, regarde, on va faire ça plus simple et depuis le serveur lag beaucoup moins. Bon, on est toujours à 15 DPS, etc. Mais c'est normal qu'on a 450 connectés sur le serveur. Et il faut savoir aussi qu'avant on était à 8 à TPS et on a quasiment doublé nos TPS. Donc c'est plutôt intéressant et puis ça l'aide vraiment énormément. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine les amis. Le monde minage est une grosse nouveauté. On continue de travailler énormément sur le serveur, on continue à vous proposer des bonnes mises à jour. Juste avant que je vous quitte, je voulais vous dire aussi que les clés Ice Expire, QCX et Kero sont disponibles sur la boutique. Celle de Flows n'est pas encore disponible, elle devrait sortir au courant de la semaine les amis, le temps que Flows fasse la caisse et tout. Il est vachement occupé et je n'ai pas eu le temps, moi aussi j'étais vachement occupé, j'ai pas eu le temps de le contacter, etc. Donc voilà. Sinon laissez-moi un commentaire avec votre meilleure expérience de jeu sur Kavaxion. Dites-moi genre par exemple c'était quoi votre meilleur moment sur Kavaxion. Je choisirai une personne au hasard pour gagner mon full ruiné ici. Donc un full P4 Vulcanite ruiné. Donc il est vraiment badass les amis. J'espère que vous allez participer. Et puis voilà. Sur ce, je vous aime, c'est Tycons et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et un bon week-end. Ciao ciao.